Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés. Dans la cabine de commentateur, Benjamin Da Silva, El Petiso, et accompagné évidemment d'Omar Da Fonseca, la Pulguita. On a hâte que ça commence parce que ça va être un vrai plaisir de suivre cette rencontre. Motherwell contre Peterborough United. Vous savez bien que c'est toujours un plaisir de pouvoir partager mon amour pour la balle et les mots qu'elle inspire. Nous allons vivre une manifestation amplifiée et ravivée de la pensée. On va regarder la composition de cette formation. La tactique du 4-5 ans, c'est simple. Tu mets du monde dans la salle d'attente, tu remplis et tu récupères le ballon. Et un œil sur les 11 titulaires de cette équipe. En 5-3-2 ou en 3-5-2, ça dépend du point de vue et aussi surtout des intentions et des désirs de l'équipe. C'est parti avec le coup d'envoi dans ce match. Et le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Bonne intervention, la passe est interceptée. Le porteur de ballon a besoin de solutions. Oh, la tentative. Et voilà le but. Goal à peine installé. Déjà un but. Ce qui était parti faire, le regardez sur son ballon. Peut-être qu'il était parti à la chasse au papillon. Regardez, il est vraiment beaucoup trop loin de l'action et du ballon pour pouvoir intervenir. L'arbitre là applique la règle de l'avantage, il y a faute, mais il laisse jouer. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. Bonne circulation du ballon. Et la frappe part bien. Et sur ce tir, le gardien se contente d'accompagner du regard le ballon en sortie. C'est pas loin, mais c'est dehors. L'arbitre revient à la faute initiale et sort un carton jaune. Francis Coquelin. Interception du ballon donc. Ouais, bien joué, c'est un bon mouvement. Ouais, facile, ça passe. Et le ballon part bien. Frappe contrée, le danger est toujours présent. Et pas vraiment de danger sur cette tête. Et pour le gardien, c'est Noël anticipé. Cadeau. Batshuayi. Le ballon pour Coquelin. Il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Il
Ce ballon est intercepté. Et un autre ballon perdu. Batshuayi. Ah, c'est bien parti. Et le gardien qui écarte bien le danger. Cette parade est très importante parce qu'il autorise son équipe à rêver à l'égalisation. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Isai. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Dommage, quelle occasion gâchée avec ce centre bloqué au premier rideau. Et ce ballon qui sort et c'est donc un corner. C'est bien parti pour ce corner. Et une tête finalement facile à maîtriser. Il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Davis. Ouais, bonne intervention là. Davis. La projection dans le camp de l'adversaire. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Coquelin. Jeu de peu. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque. Ah oui, le duel est remporté. Touche. Alors, nouvelle faute. Et attention au carton. Un deuxième. Et c'est terminé. Et ce carton jaune est synonyme d'exclusion. Oui, l'arbitre l'avait déjà averti. Pas étonnant d'ailleurs, vu sa prestation aujourd'hui. Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum. Trop pressing et ballon récupéré très haut. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs, le coup d'envoi de la seconde période.
pression. Ballon perdu. Le bloc progresse bien dans le camp adverse. Quelle grosse frappe, mais ça passe de justesse au-dessus. Oula, le ballon est rendu directement à l'adversaire. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Un face-à-face à négocier. Quelle occasion manquée! On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face de ce type. Davis. Ouais, c'est une transmission interceptée. Batshuayi. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Elle est un peu forte cette passe. Voilà la tactique, une position très reculée pour inviter l'adversaire à presser. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Davis. Très bien défendu. Davis. Coquelin. Batshuayi. Bonne circulation du ballon en attendant patiemment le décalage. Oh oui, la frappe! Un bon pressing, ballon récupéré. Batshuayi. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Ah, le ballon lui échappe et ça sort. Ah, voilà, c'est un changement donc. Le ballon pour Valentino Lazzaro. Il y a un gros travail sur le bloc adverse pour les forcer à dégager. Ce sont les derniers efforts pour remonter au score. Est-ce que ça va suffire? Ah non, finalement le ballon est perdu. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Grosse présence au contact, ballon récupéré dans le camp adverse. Ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Ballon perdu, c'est rendu même. Thank you.
un ballon mal dosé et ça va être pour le gardien. Manuel. L'équipe pousse fort maintenant en attaque pour essayer de revenir au score. Et le panneau indique le temps additionnel, une petite minute. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Oh là là, la balle de match! Le coup de final donc dans cette rencontre, on va en rester là avec une victoire à domicile. Oui, une victoire grâce à ce petit but d'écart. Ça raconte beaucoup des choses sur la difficulté de ce match.